Bonjour à tous et à toutes, je suis Raulus et aujourd'hui la suite de Neverwinter Nights. La dernière fois, je vais enchaîner quand même les petites sessions. J'avais, que je me souvienne, sauvé quelqu'un, il me semble. Elle a été secourue, c'est vraiment dans l'auberge de sabre pour retrouver son frère Halloween. Oui, donc j'avais sauvé Elvin du Captain Kurt, qui est, je pense, mort. Ouais. Donc le Captain Kurt, il est mort. Donc première chose à faire, on va retourner à l'auberge. Donc petite TP. Et aussi on va... Ah, quoique les objets. Si j'ai pas trop d'objets, je pense que je vais aller les vendre. Ouais, on a quand même un poil d'objets. Donc avant toute chose, on va aller vendre tout ce qui est inutile. On va se soigner parce que j'ai la masse de malédiction. La dernière fois, c'était la merde totale. Complètement. Bonjour. Oui, j'ai besoin de soins. Enlève-moi tous mes malus à la con. Merci. Et j'ai besoin de... d'objets. Enfin, j'ai besoin de vendre de la merde. Parce que je ne suis pas assez riche. Notamment ce bâton. Ce batal même. La grande hache. Non, c'est pour je sais pas quoi. Une épée bâtarde. Inutile. Je vérifie quand même mes fonds d'objets. Non. Non. J'ai beaucoup trop de sacs, il va falloir que je m'en débarrasse au bout d'un moment. Ça c'était bon, là il n'y avait pas des petits objets nuls que je pouvais te vendre. Si cette flèche, ce piège, ce pièce, cette superbe tête hein, que je garde, donc ça c'est un objet de quête. Hop là, il va être très bien ici. Qu'est-ce que j'ai d'autre? D'un peu, j'ai un œil de Rexxana. Ouais bon bah c'est pour l'alchimie ça, c'est de l'enchantement. Un sort que je ne peux pas utiliser peut-être. Si je peux tous les utiliser. Et j'ai les clés de la prison. Tiens, prends les clés de la prison. Ah j'ai le sceau. Ah le sceau c'est super important. J'en profite un petit peu pour... Merde. Mais non. Mais non. Mais non, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais non. Mais mets-toi là. J'en profite un petit peu pour ranger tout ce bordel. Et donc on va peut-être s'occuper de Baram maintenant, histoire d'avancer un petit peu. Je pense que ce serait bien. J'ai la masse d'objets inutiles quand même, je tiens à le dire. Et puis là, des objets, des trucs, des machins, des bidules. Tiens, toi tu te mets là. Toi on va te vendre. Et puis voilà. Et ben voilà, et ben c'est très bien. Donc ça c'est bon. Donc on va retourner à l'auberge. Il faut juste que je mette la map. Et je pense qu'on n'est pas loin de finir ce chapitre quand même. On n'est pas loin. Le scan, ça doit être la dernière grosse partie de ce chapitre avant d'attaquer le chapitre final, qui sera fait dans une autre session par contre, parce que le chapitre final, ça dure entre 1 à 2 heures. L'auberge. Voilà, après on doit aller là. L'auberge. Allez. Oui, je suis auberge. Auberge. Ah, il y a un méchant. D'accord. Attendez, je prends le père. Là, c'est le QG de Kurt où j'étais. Les égouts. QG de Baram, ouais. Et tour des arcanes. Ouais, c'est là que je dois aller en dernier. Où est-ce que c'est que je... Putain, je sais plus où il est. L'auberge du sabre, ok. Le sabre, là-bas. Là-bas, là, ici. Non, on redescend. Sud. Et on tourne. Pour le moment, le jeu actuellement sur PC là n'a pas encore crashé, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Il n'a pas fait de gros problèmes à part des légers. Mais c'est très léger, c'est même rien. Des petits freeze et des petits refresh intempestifs comme avec ah non, non, c'est là, si. Avec Dalin qui se TP. Mais le TP Ninja. Je dois retrouver Elinith. Voilà, Elinith, putain. J'arrive à peine à y croire. Vous m'avez rendu Even. J'avais presque perdu espoir.
Complet. Ah, alors par contre, Unrecognized Token va me faire marrer. Sans qu'on pense de passer CR. Ouais, tiens, je gagne 250 XP et 3 points vers le mont. Bah, Cassos. Hein. Salut. Et paf, une quête de fini à l'oscan. Maintenant, nous devons aller. Alors, André. Oui, nous devons aller voir Baram, ce chien. Oui, je crois que ce soit pour vous. Oublie ce que je viens de te dire. Nous devons aller voir Baram car il y a des enfants qu'il a enlevés. Et c'est pas bien. Sachez, si vous avez envie d'avoir des enfants, ne volez pas ceux des autres. C'est personnel, un enfant. C'est un peu réducteur dit comme ça, mais c'est vrai, c'est personnel. Donc allons au QG de Baram. Je vais faire une petite save. La petite save qui est bon. Alors le QG est à salut. Ah mon dieu, c'était un superbe rat. Regardez ce rat comme il est beau. Magnifique rat. Très cool. Merci pour l'XP. Alors sur mon niveau de l'XP, j'en suis encore à 10 000 d'XP, ce sera pas pour tout de suite. Le QG, bonjour l'archer, vous avez repop vous. Vous ça se sent que vous avez repop, mais comme des salauds. Yeah. Attends, occupe-toi de lui. D'ailleurs, j'étais pas venu ici. Ça me semble bizarre que je sois pas venu ici. Ah, j'étais complètement pas venu ici en fait. Cette blague. Cette grosse blague. Non, mais derrière, il se débrouille bien. Hein. Voilà, je récupère la question. Paf. J'étais pas du tout venu ici. Bon, alors. Allons chez de Baram. Je suis à peine blessé, mais c'est pas grave. Ok, alors attendez, j'essaie de me repérer. Je suis ici. Salut, copain. Heureux que vous ayez décidé de venir me causer. Je suis Baram, le seul, l'unique, le vrai haut capitaine de l'Uscan. Je voudrais bien m'excuser de vous parler par le biais d'une illusion. Mais vu comment vous êtes débarrassé de mes gars, j'aime mieux être prudent. Au moins il est clair. Alors. Ah, il est déjà mort, lol. Ah. Ouais, je l'ai. M'a donné quoi là? Alors je perds de la tête de Kurt. 500 d'XP, amulette, 1000 PO. Alors attends, qu'est-ce que tu m'as donné comme amulette? Ou oh, une amulette? Une amulette de volonté. Et les enfants? Ah voilà, parce que. Ouais, j'ai transformé les grands en ouvrages. Cette affaire n'est pas terminée. Nous nous reverrons, Baram. Oh, Roubla. On en rediscutera, Baram. On en rediscutera. Merde, Londa, elle est où? Ah, oh, l'auberge du sabre. Encore. Allez, on fait des allers-retours. Le backtrack, c'est la vie. Backtracker la vie. Bon, bah, je pense qu'elle va me demander de tuer Baram. De toute façon, c'était mon intention, hein, de tuer quelqu'un. Mais en fait, la tête de Kurt, elle sert à ça. Et donc, j'aurai la tête de Baram en plus. Alors, je pense que les actes de cannibalisme sont aussi à prohiber.
Évidemment. Droite ou gauche? Merde, c'était la gauche. J'ai fait le tour. Ah, je m'ai perdu. Non mais c'est bien de... Au moins... bon, les loups-garous, il est encore possible de les sauver. Tu peux arrêter de faire des allers-retours, les gardes, merci. Techniquement, ceux qui sont en rat-garou, il est encore possible de les sauver. Enfin, j'espère. Il me semble que c'est encore possible. Je dois... Où est Londa? Londa... Ah, merde. Oh, vous êtes des enfants, bonjour les enfants. Vous, revoilà. Avez-vous trouvé mes enfants? Sont-ils sains et saufs? Oh putain, comment le jeu te propose de mentir. Oh putain, tous vos enfants sont... Ils sont morts. Les plus jeunes, voilà. Bah... Ah! Quoi? Vos actions font tant d'entraînement de 5 points vers mauvais, vous avez perdu le titre de bienfaiteur? Quoi? Quoi? Mais non! Mais non, te fous pas de moi! Oh, je vais te défoncer, bah. Il m'a fait perdre 5 points! J'avais un titre! J'étais en neutre bon! Enfin, j'étais en loyal bon! Ou loyal neutre! Putain, je vais te défoncer, Barab! Ah, j'ai perdu mon titre! Ah, ça me fait mal! Ça me fait mal dans mon cœur! Je vais te défoncer! Je vais tellement te défoncer, toi! T'as refait appel à des gardes au moins? S'il te plaît, que je m'entraîne un peu! Tu vas souffrir! Ah! Ah, je sens! Je sens que je vais m'amuser! Baram, tu vas mourir! Tirez-vous maintenant! J'ai autre chose à faire! Bon, très bien, bah c'est vrai que t'as un hologramme. Verrouillé? Notre problème. Tirez-vous maintenant! J'ai autre chose à faire! Voilà! C'est comme ça que ça marche! Putain, y'a des ghouls, c'est la merde! C'est tellement la merde des ghouls! Non, j'ai fermé la porte. Ouvre la porte, merci. Voilà. Maintenant, on va causer 5 minutes. Hein, Baram, espèce de salaud. On va causer 5 minutes. On va se dire les 4 vérités. Déjà, on va se son... Je sais pas, une petite potion. Une petite potion. Je me vide des potions, hein. Ah, j'ai pas de grosses potions. Bon. Bah, j'ai... Putain, j'ai la masse de soins intensifs. Je suis abaissé. Je suis dans les pommes. Ouh, s'en sort easy. Pas un drop nul. Un petit drop, non. Bon, là il y a du strum. Non, là c'est quoi? Est-ce qu'elle est vers le haut? Impeccable. Ah. Oh, salut. Messieurs là, bonjour. Vous allez transformer vous en roue, en rat. Lala, c'est une arme. C'est un mec ça. Ça va me faire de l'entraînement.
t'es un magicien, toi. Ah, je l'ai reconnu. Ah, je t'ai reconnu, t'as fait lancer ça, c'est pas une bonne nouvelle. De meilleurs que toi sont morts par ma main. Voilà. Oh, 284, mon gars. Et puis, il y a du drop pas dégueu. Ça drop des trucs pas trop mauvais. Oh là là, c'est un labyrinthe. Oh là là. Bon, attention, on va tout faire. Je prends la petite potion. Ok, deux escaliers. Aïe. Aïe. Oui. Pourquoi la caisse? Pourquoi tu me fais du mal, la caisse? La caisse, la caisse. Oh, ça m'a paralysé. On s'ennuie. On s'ennuie très très fort. Merci. Ouh, cap. Contre le bien. Oh. Ah, je need. Ah, je veux. Oh, c'est tellement bien ce genre de cap. Et là aussi, c'est piégé. Lol. Ah tiens, on va poser. On va utiliser une potion. Tac. On va éviter de perdre du temps comme ça. Oh, une pile de livres. Garder race, non. Donc ça c'est pour l'escalier. Mais moi je vais aller un poil en bas. Pour aller un petit peu tout explorer. Et pour avoir un peu d'XP et trouver du loot. Messieurs, dames, bonjour. Oh, un squelette quelque part. Oh non, c'est un mort. Oh, tiens, les deux. Les gosses, c'est le plus important. Waouh. Très très gros monstre, je tiens à le dire. Ah, gros strum. Ah, c'est. Ouh, impressionnant. C'est pas qu'on les défonce, mais on les défonce. Là, ça doit être les stations. Une station d'épuration. Ah, je pense que, ouais. Avec quand même de belles constructions à cette époque. Je tiens à le dire, c'est. C'est pas mal. C'est avant-garde. Sortie. Là, les deux sorties. Une sortie qui m'énerve. Ah, vous avez pas vu. Ah non, il se joue sur Dalin. Dalin va mourir. Bon bah voilà, tranquille. La tranquillité, c'est bien. Et là on sort et on a un strum là. On a un truc. Quelque chose. Bon bah la sortie. Sortie pif. Est-ce qu'il y a des égouts? Quoi? Encore? Ah! Oui, mais non. Parce que si là c'est la fin de zone, l'autre côté c'est quoi? Enfin, techniquement, ce côté, ça doit être une zone un peu plus grande où il y a sans doute le combat de boss. Donc, de l'autre côté, qu'est-ce qu'il y a-t-il? Il y a l'escalier vers le haut. Je vais me perdre. Je hais quand ça fait ça. Je le déteste même. Oh, des sangliers invoqués magiquement par un nécromancien Yuan-Ti. Mon attaque est sans effet. Mais non. Mais Dalin a peur. Merde, intelligence décrue. Bah voilà. Bah qu'est-ce qu'il y avait de dur? Bon, il y a des lianes un petit peu partout. Un parchemin. Sur ce long parchemin jauni sont représentés plusieurs schémas étranges, annotés dans une langue inconnue. À première vue, on dirait qu'il détaille un rituel de nécromancien. Le texte suivant alors est rédigé au berceau. Sœur de la nuit, c'est à vous d'accomplir le rituel qu'offrira à Bahram l'armée dont il a besoin. Ce rite
Akamit fera fusionner les ossements et les esprits des défunts afin de créer de puissantes momies. Baran devra être très satisfait des résultats. Vous ne risquez rien tant que vous suivez le rituel à la lettre, mais vous ne laissez surtout pas distraire. Et veillez bien à ce que les prêtres squelettes poursuivent leur service et que les tablettes restent intactes, sans quoi le rite sera sans effet. Ce succès assiera votre position au sein de notre nouvel ordre, je vous le promets. Mogrim. Je vais défoncer Mogrim. Ah, il y a eu ah oui, il y a un truc là. Bon, qu'il faut que je détruise des trucs. Mais ah, bonjour, petit cachet, mais j'ai envie de te faire du truc. J'ai besoin de beaucoup d'XP, messieurs. Voilà, bah vous êtes nuls en fait. Et là, il y a Kepwick. Ah, potion de soin. Je prends. Oh, petite potion. Hein. Les potions de soin maintenant, je les bois comme des bières. Donc là, on va monter au deuxième étage. C'était un magnifique repère de marmite. Ok, donc demi-tour. C'était pas le bon chemin. Donc je retourne en bas pour, je pense, annuler le rituel. Et ensuite je retourne en haut pour je sais pas quoi. Je suis en train de me perdre, c'est horrible. Quelque chose d'incroyable. Mais en fait, Baram, ça va être tellement rapide. De toute façon, si jamais, je tiens à le dire, si jamais la session, enfin si jamais le chapitre est terminé et qu'on va direct au chapitre final du chapitre 2, enfin qu'on est dans la partie finale, j'arrêterai puis le chapitre final, je le ferai. Enfin vous m'avez compris, c'est assez compliqué. C'est compliqué. Alors, ouh, petite map. Très petite map. Donc là je suis dans les égouts. Ah. Une sortie. Monsieur Bonjour. C'est l'heure du rendez-vous avec la mangue. Monsieur Bonjour. Vous êtes que deux. Et non, vous êtes trois. Je suis hébété, mais comment je fais? Putain, je ne comprends pas. Voilà. Attends, par contre la map elle est vraiment petite, je peux pas zoomer beaucoup. Donc là il y a une autre sortie. Et là il y a des roublards, encore des roublards. Il y a toujours des roublards ici en fait. C'est l'heure du retour. Qui se transforme évidemment. Ah mais comment je fais pour être hébété? Il y a un moment je me dis que je le fais exprès. Prends juste une petite potion. Petite potion, tranquille. Et là, à gauche, il y a une sortie. Donc on va aller directement à la sortie voir ce qu'il y a. Oui, Graou, Graou. Donc là, c'est une sortie. Normalement. Et là, c'est quoi? Sortie vers la surface. D'accord. Donc là, ça me met... Ah, le scan. Très bien. Mais je sors où exactement? Je sors ici. Bon, près du temple. Ça devait être là que je devais aller en premier, je pense.